Ah, il part dans l'autre sens, lui. Bah, le ballon, parfois, partait d'un coup. Le premier ballon, oui. Ouais. Et après, quand on a décollé, par contre, j'ai fait un autre ballon. Je ne sais pas si tu l'as vu, il est parti comme ça. Ouais. Hein, partait d'un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Et là, oui, c'était voilà, une brise descendante. Encore. Ça a l'air très calme, là. Ouais. Rassuré. C'est un peu comme le parapente, il y a des trous d'air ou non? Parce que du coup, vu qu'il y a une alimentation en fait en température, on n'a pas cette sensation de... Non. Ça permet un peu de faire un peu des boucles et tout. D'accord. Je sais pas si on le voit là. Il est tout petit, le ballon. Encore un truc, mon instrument de vol, putain, ça c'est important. Bon. Je vous laisse, hein. Bonne journée, hein. Donc là, c'est notre suiveur, alors. J'espère que c'est pas la couturière de Gap qui a fait les coutures. Hein? Pas rien. Il y a des vaches qui nous regardent là-bas. Et ça, c'est quoi là? Ah, c'est la soupape. Que tu fermes?
commence à soulager là, non? On flotte sur l'herbe là. Bonjour, amusez-vous bien. Ouais. Moi je sors la voiture, hein, Léandre. Ouais, génial, merci, à tout à l'heure. Quinte heureux vers. On a quitté le sol. Quoi, c'est le Vario ça? Il y a un 4x4 là-bas. On a des. On va passer au-dessus des arbres. C'est chouette, hein? Ah ouais, c'est génial, hein? Là, on est à quelle altitude là? 1430 mètres. Ah ouais. Là, et on est parti de quoi là? De 1002. Derrière les vaches qui cavalent en bas, non? C'est bizarre ça. Elles ont la trouille ou quoi? Il y a des masses d'air. J'imagine, Leandro, c'est L-E-A-N-D-R-O. Leandro Correa, ça c'est. Ouais. Et après Vega, V-E-G-A. Mètres. Ah ouais, quand même. Et là, tu voyais l'Italie, regardez, là, l'Alpic, là, tout fume, hein, c'est quoi là? C'est fume, entre guillemets. Ah, le, là-bas? C'est quoi, ouais, le brouillard, non? C'est le Mont Blanc. C'est loin. En tout cas, si c'est pas le Mont Blanc, c'est le Mont Blanc. Je sais pas si c'est pas la grave. C'est pas plus à gauche. Mais en tout cas, par rapport à la visée, là, on devrait le voir. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Peut-être parce qu'on est redescendu un peu, peut-être. C'est plus le fait de. On a un balance. Ah. Et là, il faut s'adapter un peu, comme quand tu fais du trampoline et que tu descends du trampoline, t'as les jambes, après elles sont. Puis après, tu te sens en sécurité dans le sens quand tu sens qu'on peut monter, qu'on peut descendre, que c'est manœuvrable. Ah oui, bah, tu vois, du coup, après, la direction, je me sens plus à l'aise aussi. Ouais. Ouais. La direction, c'est. Regarde, ah, c'est bon. C'est les couches de vent qui nous l'a dit. Nous, on choisit voilà, en fonction de l'apparition, c'est 3 km/h. Donc là, on peut passer un petit moment là et voir passer la. C'est les Alpes. Et ouais, j'ai fait du parapente là-bas. Là. Ah, c'était ouais. Super, ouais.
sur les crêtes. Là. Alors je me rappelle jamais du nom. Mais... D'accord. C'est beau ces couleurs là. On est bien remonté. Ouais. Là on doit être à, je sais pas, à combien, 2000 là? Ouais. Non, pas tant. Pas tant? Ah ouais. Juste de... Qui aime la nature, c'est nature là quand même. Ah ouais, on entend bah, oui. Les. Comme endroit. Et il y a moins du monde, moins des passages quand même. Mais l'hiver, ça doit être agréable aussi. Hein. L'hiver, bon, il faut être un peu ouais. Plus couvert, mais. Non, pas forcément. Non. Hein. En hiver, bah, tu vois des fois de belles. Ouais, il y a des belles journées, c'est vrai que. Ouais, ouais. Ouais. Ah, tu changes de bouteille? Ouais. T'en as toujours deux de branchées? Ouais. Et comment tu sens qu'il faut donner un coup de gaz ou... C'est la sensation là en fait. C'est vraiment... tu sens quand il perd son énergie, il commence à descendre comme là. Des repères à l'extérieur, toi tu vois qu'on est en train, si tu regardes un peu l'horizon, tu vois qu'on descend. Et tu étais limité en temps de descente, non? Faut pas que tu descendes trop vite, ça peut se dégonfler ou... Non, non, en fait il a une vitesse à laquelle lui il arrête, il va pas plus vite que 4 mètres secondes. Ah descente. D'accord. Après par la traînée qu'il fait, en vitesse relative, il va se freiner. Il va se freiner. D'accord. Et même l'air qui rentre par la bouche le pressurise, donc voilà, il n'y a pas de limite. Et là, tu estimes faire tes vols d'initiation, là, de baptême, à partir de quelle période, là, comme ça? J'espère début de l'année prochaine. D'accord. Début 2022. Histoire début 2022. Ouais, histoire de bien connaître la vallée sans, on va dire, du stress rajouté, si on peut l'appeler comme ça, parce que c'est pas la même chose quand tu voles avec des potes qu'avec des clients qui ont payé, toi. Donc c'est toute notre gestion, globalement. Ouais. Et ouais, tu te dois de tenir prestation. Tu dois au moins voler une heure, donc tu dois aussi gérer avec beaucoup plus de précision tes trajectoires, les façons de pouvoir rester une heure dans la vallée. Et c'est pas évident parce que c'est un espace quand même un peu restreint. Donc il ne faut pas sortir de la vallée, sinon après... Ouais, puis tu peux tomber sur quelqu'un qui est pris de panique ou non? Non, pas forcément. Non, ça c'est... Ça peut arriver qu'à moi, ça. Ça peut arriver, tout peut arriver, oui. Ah ouais. Là, on a un bon cas, là, ça me plaît. Je
Alors Tom, tes impressions? C'est vraiment agréable. C'est un calme. C'est calme, reposant. On n'est pas secoué. On n'est pas attaché, on n'a pas de masque, hein, pas besoin. C'est la liberté, quoi. L'autre extrême de la vallée. Parce que là, tu dirais que le vent, il vient d'en face, là, c'est ça? Oui, oui, c'est. D'accord. C'est une toute petite brise la veille de tout, quoi. On voyait Sainte par l'arrière. Côté, hein. Ouais, ouais. Et là, waouh. Et là, on est basculé devant. Et on voit le collège. Ouais, on reste près du village, quoi. Le collège de Seine avec les vaches à côté. Ouais, on devine Saint-Pons là-bas. Donc là, c'est Seine, hein, c'est ça. Hein. Mmh. On est remonté un peu quand même là. Ouf, quoi que non. On est à quoi, 200 mètres là? Toujours pareil, non? Ouais, non, on garde à peu près la même altitude. Hein. Ouais. On garde les repères à peu près avec les montagnes que tu fais, quoi. Ouais. Et là, les clients potentiels donc achètent des montgolfières comme ça, là, c'est qui? Non, alors, non, disons la clientèle, si tu veux, en France, il y a une chose comme 1000 pilotes, pas plus, enfin, une chose comme ça. Donc on parle quand même des marchés un peu petits, des niches. Ouais. La plupart est traînée comme marché par l'activité professionnelle, donc une montgolfière de cette taille, personne ne l'achète pour s'amuser, quoi. Typiquement, ce sont des ballons plus petits, comme ceux que j'ai fabriqué, qui sont légers, transportables pour 2-3 personnes. Quoi. Là, c'est une montgolfière pour 5. Quoi. Ouais. Donc, c'est pour une utilisation professionnelle. Quoi. D'accord, donc tu peux avoir un peu des gens de tous les pays qui t'a... Oui, oui, après le marché, il est global, il y a un peu de ballons partout. Quoi. Mais ouais. Surtout, voilà, Europe, États-Unis, Europe, États-Unis, et Japon. Voilà. Ah ouais, quand même, ouais. Ouais. Ouais, ça part loin, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Donc après, potentiellement, enfin, c'est plus des professionnels que des amateurs qui achètent ça. Disons, oui. Ouais. Même si moi, en vrai, j'ai mon... c'est de me spécialiser dans le segment sportif, petit et léger, donc pas forcément professionnel, au moins dans un premier temps. Quoi. Ouais, qui est un peu plus à la portée de tout le monde. Quoi. Voilà, et ouais. C'est juste ça, ça me plaît plus, ça m'intéresse plus la démarche sportive de loisirs que la démarche professionnelle. Quoi. Donc là, on va descendre, on va voir un peu... petit à petit, où on peut se poser, là, ça, c'est bien, c'est bien. Salut Steph, tu m'entends? Oui, Leandro, je te reçois. Donc là, globalement, je cherche à me poser. Oui, essaye de venir dans le coin, tu continues tout droit, je pense, attends. C'est qu'il est là. Il voilà, est toujours même la première à gauche, à droite, en bas, excusez-moi. Enfin, en bas, oui, c'est sûr. Et après, j'ai quoi la première à gauche? Je vois un bâton là, si vous voyez la ligne par hasard. De quoi la ligne? Ouais. Non, c'est la ligne, mais. Et tu gères, hein, je peux pas gérer moi. Tu veux qu'on fasse quelque chose, nous? Non, mais disons, ouais. Je peux pas. Non, mais c'est bon, mais je veux juste voir si tu vises celui-là ou celui derrière. Oui, on te reçoit. Pour l'instant, ça nous amène plus vers là, mais là, c'est un peu marqué. Oui, la vie. Vie détemporisée. Attends un petit instant, s'il te plaît. Si on arrive là, ça va. Si on
arrive à aller là, parce que là, il peut pas venir avec le reste. Ce serait pas mieux là-bas ? Ouais, c'est mieux, mais après, là où il y a les meules là-bas, non ? Les bottes là, de foin ? Là, c'est comme ça, l'avantage, on il. On va se déplacer parce qu'il y a des lignes électriques. Et puis là-bas, l'avantage, c'est que c'est au bord de la route. Là, il peut rentrer dans le champ là-bas, non ? Donc du coup, tu arrives quand même à aller un peu à droite, à gauche quand même avec ça, avec ton volet. Moi, j'ai pas, non, pas trop. J'ai pas choisi d'aller là, c'est le vent qui m'amène. Ouais, mais là, en tirant sur la corde, le fait de... Donc voilà, dès qu'on est en contact, les sols, normalement ça se passe, c'est juste souvent un métal super faible. Mais sinon. Nous voilà. On te vise! Oui, parce que globalement, vous ne faites pas beaucoup de distance quand même. Enfin, hein, c'est pas le but, quoi. Ça dépend de la vallée, quoi. À Gap, quand même, on fait plus qu'ici, probablement. Ouais. Mais en fait, ça ne se mesure pas en distance, la beauté d'un vol. D'accord. Ouais, c'est la variété des paysages ou l'altitude à laquelle tu arrives à monter. D'accord. Il y a des vols où tu ne peux pas beaucoup monter parce que le vent te décale dans des endroits où il ne faut pas quoi. Allez. 200 mètres. On est à 200 mètres là ? Oui. Là, par contre, en 4x4, là, il n'y a pas un bien là, au milieu. Là. Ça aurait été mieux l'autre, mais... Ça approche de la planète là. Pile poil à la verticale. Hein. Ouais, quand on était bien là-haut là. On est fiers, hein? Le pilote assuré, là. Bien, bien. Putain, ce feeling que t'as, là. Hein? C'est des fois me poser trop fort. Tu peux pas aller un peu plus à gauche, non? Le client chiant, toi. Elle a rien compris. Après une heure de vol, quoi. On n'arrive pas un peu trop vite là, non? Putain. Oh, c'est qu'il faut qu'on magique. Fasse quelque chose, ou pas? Ah bah non, on a planté. Regarde, non. Et si, voilà. On va essayer de mettre la nacelle là où c'est coupé, comme ça sera facile pour la remorque. Putain, ouais, t'arrives à faire ça et tout là?
Ah bah il est costaud toi, je prends pas des équipiers. Si on l'a mené à côté de la voiture. Tu nous mets dans la remorque mais, ou mais ici l'herbe est plus haute, c'est pour ça. Donc là, là ça va être mieux pour. Putain c'est génial. Ouais. Putain j'avais pas pensé qu'on pouvait faire comme ça. Merde, je suis excité, j'ai fait le con. Ouais. Ah, attention les pieds hein, quand ça redescend, attention les pieds, de ne pas te faire écraser. Putain ouais, on peut se faire guider et tout là, putain c'est... Ça t'est ? Ouais ouais. Ah, demain on va faire 3000 mètres là, puis tu vois le Mont Blanc, je crois que c'était le Mont Blanc quoi. J'imagine. Je pense, oui, ils font froid. C'est l'option Mont Blanc. Est-ce que je fais, je pousse par là ? Oui mais côté où là c'est coupé là, je vois pas, oui là c'est coupé. Parce qu'ici c'est juste un peu plus haute que là l'herbe, il me semble. Pour moins mouiller le ballon, toi. Ah. Oh, ici c'est comme là, c'est exactement tout pareil là, non ? Oui, c'est à peine plus. Et puis c'est plus agressif que l'herbe ici. Ouais, c'est vrai ça. Mais bon, on ferme ici, on s'arrête là. Ouais, et, carrément et sur la route. On mettra le ballon d'un côté ou de l'autre. On se met là. Non. Si. Tu veux sur la route toi ? Non, non, là. Pour la tirer, c'est bien. Là, c'est bien ça. On va regarder ce photo, mais voilà, c'est génial quoi.